Docteur Neo Cortex. Nous voici. Donc voilà, la strat, il va nous tirer avec des projectiles différents. Les violets, il faut les éviter. Et les verts, il faut tourbillonner dessus. Car c'est les seuls que l'on peut toucher pour lui renvoyer dans la gueule. Et il faudra toujours faire ça. Les bleus, comme vous pouvez le voir, sont ceux qui font du scrolling pour essayer de nous tuer. Et ensuite, voilà, ce sont des cumuls de verts. Je crois qu'après, il faudra que j'en cumule 3, il me semble, ou 2, je sais plus. Mais après, voilà, ça demande un certain cumul de pastilles vertes. Il en fallait une. Je sais plus s'il en faut 2 ou 3, là. Oh, oh merde, putain, ça, j'avais oublié que ça faisait en mode je rebondis. Hop. Et hop, 3. Ok. Est-ce qu'il en faut... Non, je crois qu'il en faut que 3, c'est le max. Je pense pas qu'il en faut 4. Oh, c'est qui s'acharne, là. Il est passé en Akimbo, là. Oh merde, putain, en plus si je rate la dernière. Oh, 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 oh. 2. Non, bon là il en faut 2. Ouais, bon, c'est un intervalle un peu irrégulier en fait. Je me rappelais plus exactement de l'ordre. Je me suis fait pour rien, mais là voilà. Et bien voilà, le stage est terminé. Le playthrough aussi. C'est terminé. Et bien écoutez, voilà. Dans les bras de sa Dulcinée. Pour nous faire afficher les crédits de fin. Et bien du coup, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Et que je vais enfin pouvoir vous dire à ciao pour terminer cette vidéo, ce playthrough. Sachez donc pour moi que ça a été vraiment un véritable plaisir de partager ce moment old school avec vous. Si je l'ai fait, c'est pour deux raisons. Surtout, bon, pour me faire plaisir et en même temps, eh bien, vous montrer, enfin faire un petit peu autre chose et retrouver ce côté old school de Crash Bandicoot qui est vraiment... le côté emblématique des héros Sony et des jeux plateforme aventure. Mais aussi, c'est, sachez-le, c'est pour la jeune génération, si par hasard un jour ils tombent dessus, pour qu'ils se disent « Waouh, j'ai raté un tel jeu ». Non, je déconne. À leur âge, ils vont se dire « Bah, ce jeu est mal fait, je préfère jouer à Call of ». Et j'espère pourtant qu'il y aura des jeunes qui diront « Waouh, ce jeu avait l'air génial, j'aimerais bien y jouer ». Si par contre j'arrive à éprouver ça chez un jeune consommateur, franchement, je serais ravi. Encore merci à vous tous de m'avoir accompagné pour ce playthrough. Ce fut pour moi un honneur de vous accompagner pendant cette trentaine de stages. Je vous dis donc à très bientôt pour le playthrough de Crash Bandicoot 2. Sur ce, je vous dis portez-vous bien tout le monde. À très bientôt et à ciao.